Une atmosphère de phase finale accompagnée columérins et basques du BO pour cette USC Biarritz ouvrant la 28e journée de Pro D2. Une certitude, le vainqueur allait réaliser une bonne opération en vue de la qualification. Dans les premiers instants, l'épreuve de force des avants va être favorable aux coéquipiers du capitaine David Roumieux en plusieurs occasions. Sur celle-ci, le gaucher Weber est sanctionné par l'arbitre et Maxime Lucu inscrit les tout premiers points du match de cette première pénalité. De retour de blessure, Thomas Ramos va répondre au buteur Biarro en passant 3 pénalités et le score va gonfler à 9-3 passé la demi-heure de jeu. Vient alors l'éclair de génie du match. Voir Maxime Lafage va d'abord manquer son coup de pied contré par Soketa. Mais qu'à cela ne tienne, le jeune numéro 10 relance depuis ses 22. Kadeb, Rafu, Crochet, il traverse tout le terrain et attend le soutien de Thomas Ramos qui vient à hauteur et marque le premier essai pour donner enfin un peu d'épaisseur au score. L'arrière récompense surtout une équipe à la colombe qui tente plus, porte mieux les balles et tombe moins de munitions lors de ce début de rencontre. On revoit cette superbe prise d'initiative du demi d'ouverture Maxime Lafage. Elle permet cet essai du 14-3 bien conclu par le futur Toulousain Ramos qui va passer la transformation lui-même sous les poteaux pour un 16-3. Les Basques partent en conciliabule mais l'arbitre Adrien Descotes va leur offrir des minutes supplémentaires avec la mi-temps signalée sur ce 16-3 en ce stade Michel Bendichou qui n'a plus connu la défaite depuis novembre 2015. Mais maladroits et émoussés après une longue saison, les Basques laissent la direction du jeu à Colomiers. Ramos et Lucu ont permis ce 25-6. Sur un énième ballon de récup, les futurs palois Puech et Nico créent des espaces et jouent debout. Le centre casqué fixe parfaitement pour deviner qui. Thomas Ramos. C'est le deuxième essai de la pépite prêtée par le Stade Toulousain. Sous les poteaux, le numéro 15 va encore transformer sans peine. Avec 32 points marqués dans cette opposition et un bon jeu au pied, il devient le meilleur marqueur lors d'un match de Pro D2 cette saison et repasse en tête du classement des meilleurs réalisateurs, trône qu'il avait abandonné avant sa blessure à la cheville. Son futur coach Hugo Mola apprécie. Mais le BO ne va pas faire tomber toutes ses munitions. Afin d'éviter de peut-être offrir le bonus offensif à leurs adversaires et concurrents dans la course à la qualification, les Rouges et Blancs s'organisent en ballon porté suite à cette pénal-touche lancée par Lévy. Les arrières s'en mêlent aussi, à l'instar de l'ailier Tim Gires. Ce dernier va profiter du bon travail de ses gros pour marquer cette réalisation de l'honneur bien calée à l'arrière du pack. 2 essais à 1, les coachs columérins Bernard Gouta et Philippe Filiatre mettent encore la pression sur leurs ouailles pour aller chercher un précieux bonus offensif. 32-13 et à 5 minutes du terme, Soketa va écoper d'un carton jaune et Colomiers encore en profiter. Bézian est trouvé en fond d'alignement sur cette touche. Et là encore, les joueurs frais vont faire la différence et le Mol va aller à Dame avec ce troisième essai de l'USC signé du talonneur remplaçant Turajvili. Alors qu'on va revoir ce groupe pénétrant efficace, la transformation va être rapidement tapée en drop et manquée par Ramos pour son seul échec de la soirée. Son empressement afin que son équipe aille marquer un quatrième essai synonyme de bonus offensif n'aura en effet servi à rien puisqu'on va en rester là. Le score final est donc bien de 37-13. Ce Biarritz sans solution et usé par son excellente année 2017 voit un concurrent direct le redoubler au classement. En revanche, pour les hommes à la colombe, tout va bien, surtout qu'ils ont retrouvé leur facteur X, Thomas Ramos.